Ah, je comprends. Je prendrai ta réponse sur le replay. C'est parce que vraiment, il n'a pas le son. Tu vois, je comprends vite, mais il faut m'expliquer beaucoup de fois. Ok, là, le live, il n'est pas trop mal. On va juste venir le cut en bas. C'est horrible ce toc que j'ai de faire ça à chaque fois, c'est vraiment une horreur ce toc. Voilà, et là on vient cut. On vient cut lever. Et là on est mieux, t'as vu? Hop. Ce qu'on peut même faire encore, c'est le cut par le haut levé pour venir le mettre exactement au même niveau que le L et le I. Tac, ouais, ça me plaît. Et le E, il est trop gros, donc on va le faire maigrir. Voilà, là ça me plaît déjà un peu plus. Où est-ce que j'ai mis ma hop là, clope électronique, tic. Donc pour tout ce qui est du reste, ça va être en gris. Je vais repasser un petit coup de noir là, un peu partout. Non, ça je le ferai en dernier. Ouais, t'as raison. Parce que les autres, ils veulent les pièces en gris. Mais là, si je commence mon gris, il va me falloir autre chose en fait. Il faudrait un autre petit pot. Donc là, ce qu'on va faire, c'est mettre un peu plus de nuancier et puis venir rattraper quelques trucs qu'on a fait. Il y a des lettres qui me plaisent pas encore tout à fait, et vous connaissez un peu mon côté où j'aime bien que tout soit bien fait. Et j'aurais dû prendre ce pinceau-là, je sais en plus que. Et au début, j'aurais dû prendre ce pinceau-là. Et par exemple, là, quand on a des. Là, on voit qu'il y a des différences sur le haut. En fait, ça, le fait que ça boive, quoi, que le tissu boit, on voit des petites différences. Mais c'est pas trop, trop grave en soi, ça. Comme on a fait avec le V, on va venir apporter un peu.